Apparemment, tu m'aimes pas. Elle ne saura jamais que c'est moi qui ai enlevé son chien. Lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Hier, Clara a cassé mon téléphone. Du coup, je vais lui couper les cheveux tout de suite. Comme ça, elle va devenir chauve, comme un gros bébé qui vient de naître. Quel choisir? Le petit ciseau qui coupe bien fort ou bien le gros ciseau? Bon, je vais quand même prendre celui-là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle ou quoi? T'essayes de me couper les cheveux? Non, 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 mais j'hallucine là. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, t'hallucines. Mais j'hallucine. Hier tu renverses tout chez moi, tu casses tout chez moi. Moi hier sans faire exprès j'ai juste cassé ton téléphone et toi tu t'amuses à faire la folle. Mais je voulais pas couper tes cheveux, je suis désolée. Moi je voulais juste, je sais pas, te faire un massage. Je savais même pas que c'était des ciseaux. Ça ressemble pas à des ciseaux, c'est juste un rond, une barre. Comment ça c'est pas des vrais ciseaux? En plus on a deux. Non mais j'hallucine, viens ici que je t'attrape. Non. Tu m'auras pas. De toute façon je vais aller dormir dans ta chambre maintenant. Bah va dormir, ça nous fera des vacances. Ah, de toute façon maintenant c'est chez moi, avant c'était chez elle. Mais ça a changé. Ah, son lit est tellement grand. Ah, on peut s'écarter comme une étoile de mer. Wouh. Ah bon, elle veut dormir chez moi. Elle dit que ma maison lui appartient. Bah vous inquiétez pas, moi j'ai un plan pour la faire fuir. C'est quoi toute cette fumée? Au secours. Apparemment tu m'aimes pas. C'est mon lit que t'aimes. Tu dormiras pas chez moi. Allez hop, je me suis débarrassée de Lily Rose. Es-tu hors de ma vue? Elle m'a fait fuir de sa chambre, cette méchante. Du coup j'ai un plan. Je vais prendre son chien et je vais aller le mettre quelque part, genre dans un endroit qu'elle connaît pas. Comme ça bah, elle va être triste et elle regrettera. Elle ne saura jamais que c'est moi qui ai enlevé son chien. Bon allez viens Betty, je vais t'emmener au paradis des chiens. On y va, allez. Eh oh, Clara t'es où? J'en ai marre de Lily Rose, il y a tout le temps des problèmes avec elle. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Moi je vais appeler la police, je m'en débarrasse absolument. Mais c'est une blague. Non non, n'appelle pas la police, n'appelle pas la police. Si. J'ai une idée, on va la pranker là, on va se déguiser en bébé et voilà, comme ça quand elle va revenir elle sera pas contente et ouais. Allez on fait ça tout de suite. Ouais on va faire ça, on va s'habiller en bébé. De toute façon, oh bon, j'en suis. Je vais me changer. A few moments later. On a faim, on a faim, on a faim. Irange, irange. Bon allez Betty, je vais t'emmener dans un endroit super. Bon, il y aura plus Clara, mais c'est pas grave. Allez viens, on va par là en fait, par là. Allez viens Betty, on y va. Allez, c'est par là, regarde. Tu vas être super heureuse. Bon, là il y a un espace vert, je vais l'accrocher à un poteau. Oh, bah parfait, il y a un poteau là-bas. Allez viens Betty, on court. Ouais, viens, vite, dépêche-toi. Bon allez, je vais la mettre là, c'est un endroit totalement inconnu. Bon, Clara elle pourra pas la retrouver, c'est bon. Allez, je m'en vais. Je pense pas que ça ait servi à grand chose hein, de se changer en bébé. Elle l'a même pas vu. Bah ouais, c'était nul ton truc de bébé. Elle l'a même pas remarqué, même si on a fait tout le bruit qu'il fallait. Ça lui a rien fait du tout. Et puis c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'on l'entend pas. Hein. Il doit se préparer un truc, moi je dis. D'ailleurs, elle est où? Attends. Où est-ce qu'elle est passée d'ailleurs? Ça fait plus d'une heure qu'on en a pas entendu parler. Elle a probablement fait quelque chose de très très grave. Tu devrais aller voir en bas ce qui se passe. Moi je n'ai rien fait. D'ailleurs je pars. Je pars d'ici. C'est pas moi le responsable. Mais ouais ouais c'est très bizarre aussi. Mais t'avais qu'à la surveiller. Bon ok je vais aller voir en bas. Lily Rose t'es où? Bah Lily Rose. Lily Rose. Bah Lily Rose t'es où encore? Oh Lily Rose. Lily Rose. Mais elle est nulle part. Bon, tant pis, elle a dû fuguer. Moi j'en ai marre, je laisse Esteban s'en occuper. Moi, en attendant, je vais aller promener ma petite Betty chérie. Betty. Bon allez, c'est bon, j'ai caché Betty. Maintenant, je vais encore lui faire plus peur. Je vais mettre un os ici, hop, sur la table. Et je vais mettre une main qui est ensanglantée sur son lit. Parfait.
Ah, ça va être génial, je vais lui faire peur. Quand elle va voir ça, elle va penser qu'il s'est passé un truc horrible dans sa chambre, c'est sûr et certain. Ah, je vais rigoler, mais je vais rigoler. Bon allez, je vais me cacher pour voir sa réaction. Allez, je vais me cacher ici, ça va faire l'affaire. Ça va être drôle. Betty ? Betty ? Betty, t'es où Betty? Oh non, j'espère qu'elle s'est pas enfuie. Et Lily Rose avec. Faut que j'aille chercher ça. Betty, t'es où? Betty, tu t'es encore enfuie? Betty. Oh non, on a perdu Betty. J'espère qu'on va la retrouver. J'espère que Lily Rose n'a rien à voir avec cette histoire. Ah, mais c'est quoi ces endroits? Betty, Betty. Il y a l'air d'avoir un espace vert là-bas. Je suis jamais allée, je vais aller voir. Betty, 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 Betty. Betty, t'es là! Viens ici! Qui t'a accroché ici? Quel humain a fait ça? Où est mon petit cœur? Je suis contente aussi de te retrouver. Mais qui l'a mis là? C'est pas possible! Allez, qui t'a mis là? Dis-moi qui t'a mis là. Je te suis. Montre-moi la personne qui t'a mis là. Faut que je rentre à la maison pour savoir qui a fait ça. Et j'ai ma petite idée. J'espère que c'est pas Lily Rose. Ça y est, elle arrive! Alors Lily, qui a voulu faire du mal à Betty? Qui a voulu... Ah! Ah mais c'est quoi? Ah mais c'est un nurse. Oh là là. Ah mais quel ah. Mais c'est quoi ce truc? Ah, ah c'est une main découpée. Qu'est-ce que j'entends rire ici? Mais Lily, c'est toi, tu m'as fait peur. C'est toi qui as abandonné Betty. Non. C'est toi qui m'as fait ce prank là. Mais quoi, n'importe Arrête quoi. Arrête de mentir. J'ai pas Arrête abandonné Betty. Bon, c'est vrai, je l'ai abandonné, mais c'est bon. Toi aussi, t'as mis de la fumée dans la chambre là. Ah bon, c'est toi. Eh ben, je vais te donner à la police. Stop, stop, stop. Personne n'appellera la police ici. Ça suffit. Vous êtes toutes les deux responsables. Vous faites n'importe quoi dès que je suis pas là. D'ailleurs, moi, je vais partir tout de suite. Alors, je vous laisse. Oui, allô? Ouais. Laisse-nous régler nos comptes. Et reviens ici, toi. Non. Reviens ici. Non. Si. Non. Oui, allô, la police? Oui, c'est juste pour vous signaler qu'il y a deux personnes à embarquer, oui. Parce que là, c'est vraiment insupportable, je retrouve des mains coupées chez moi. Oui. Hop, comme ça, c'est prévenu. À moi à la maison et je serai débarrassé de ces deux loustiques. Enfin, après tout ce temps qui sont insupportables. Oh là là là. Par contre, ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs, ce truc de bébé de cet après-midi. Donc voilà, Lily Rose a marché dans le caca de chien, donc elle ne peut pas être là. Voilà, elle est descendue. Clique sur une vidéo qui apparaît. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, pardon, excusez-moi. À la prochaine, bye. Bye.